Et donc salut tout le monde, c'est Maxxurt. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Crew. Une vidéo qui va être tout simplement la première vidéo de customisation. Il y aura 5 vidéos qui vont venir, enfin 5 vidéos de ce thème là vont arriver. Donc ça va être une sorte de petite série, voilà, de 5 vidéos. Une vidéo, donc celle-là, qui sera de la customisation en street. Une deuxième qui sera de la customisation en dirt, après en perf, etc. Voilà. Donc chaque vidéo, je customiserai deux voitures. Donc ça, c'est tout simplement pour un peu montrer les customisations qui sont possibles sur The Crew. Parce que je pense que des personnes, par exemple, qui n'ont pas le jeu, pourraient se demander, enfin, un petit peu la customisation, voilà. Enfin. Voilà. Hein. Et puis comme ça me fait aussi customiser des voitures, parce que à savoir que j'ai pas énormément de bonnes voitures. Donc ça, c'est plus une voiture que je voulais tester un petit peu dans la customisation. Donc c'est parti. Donc on va customiser par contre un niveau 40, on va pas. Voilà. On va pas trop jouer sur la performance, parce que la performance j'améliorerai moi-même, enfin sinon on verra après. Alors à savoir que l'adhérence et le freinage, je m'en fous. Moi ce qu'il me faut, c'est vitesse max, bah, que ce soit à fond. Enfin voilà, il me faut tout ça, sachant que ça coûte assez cher et que je sais pas si j'aurai assez d'argent après pour customiser les deux voitures. Donc on verra. Donc on va commencer par la customisation, donc extérieure, esthétique. Donc on a des couleurs officielles, métallisées, irisées, que j'aime pas du tout, ardoise, et on n'a pas un noir mat, ok. Alors cette voiture, je l'aurais plus fait. Soit un peu bordeaux, comme ça, enfin rouge, rouge bordeaux. Il n'est pas top, je trouve le rouge. Ou sinon, je l'aurais fait beige. Beige ou vert un peu que. Vert un peu moche. Je vais regarder sinon bleu. Non. Sinon, oui, je l'aurais bien fait. En vert. Soit comme ça. Enfin. Non, comme ça fait un peu beige vert. Allez, on va faire comme ça. Je prends jamais des couleurs aussi c'est bizarre. Donc après on va continuer donc sur les stickers. Alors là bon les stickers je trouve que on n'a pas énormément le choix par contre. Enfin on a le choix mais par exemple bon il y en a qu'on peut pas mettre. Et après ce qui aurait été sympa c'est qu'on puisse en faire donc soi-même. Ça aurait été je pense très sympathique. Alors. Sinon juste des petites flammes comme ça c'est pas trop mal. Alors pas en rouge mais de la même couleur de la voiture ça peut être très sympathique. Ou comme ça mais comme ça fait moins. Je trouve que comme ça fait plus classe. C'est pas vraiment des flammes. C'est ouais. Allez, on met ça. Donc l'intérieur, alors. J'aurais bien mis un petit marron, ouais. C'est dommage qu'on n'a pas ce marron là, mais pour tout. Mais je pense que je vais mettre quand même marron comme ça, allez. Voilà. Donc pare-choc avant, alors là, c'est souvent on a pas mal de choix. Alors par contre, par exemple, il y en a qui sont pas vraiment différents les uns des autres. Donc ça, par contre, c'est. Il n'y a pas énormément de différence. Alors qu'est-ce que j'aurais mis? Déjà, j'aurais plus mis un truc de ce style là. Il n'y a pas vraiment ce que je cherche. Parce que ce qu'il y a au milieu, j'aime pas trop. Donc j'aurais mis ça, je pense. Non, ça. Après, le bas, j'ai pas trop regardé. Oui, je pense que ça, c'est. Non, pas ça. Excuse-moi, ça, ouais, c'est le mieux. Ah, oui, sinon, il y a celui-là. Non, celui-là, il m'intéresse en fait plus. Voilà. Alors, l'arrière. Je
J'aimerais bien aussi un truc un peu séparé. Sinon avec le dodge marqué, ouais, comme ça c'est pas trop mal. Je vais voir ce qu'il y a. Ah, ou là ça va avec l'avant, là, avec la petite barre en chrome. Ça peut être pas trop mal. Bah, je vais mettre celle-là. Voilà, donc elle avant, il n'y en a pas, et l'arrière, il n'y en a pas. Alors à chaque fois, il n'y en a pas. En bas de caisse, il n'y en a pas, ça, d'accord. Les jantes, par contre, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de choix. J'aime bien voir le choix, surtout là-dessus. Et on va regarder ceux de base. Bah, ceux de base, je trouve qu'ils sont pas trop mal. Sachant que j'aime pas ceux qui sont comme ça. Ceux-là, ils sont trop enfoncés. Ça j'aime pas, ça non plus. Enfin quoi que ça. Si, ça peut être sympa. Ouais. Ça peut être sympa. Rétro, y a pas. Et donc quel rond? Alors on a soit. Ça peut faire bien, mais on va déjà regarder le capot. Si on met un capot. Ah voilà. Comme ça, ça peut le faire. Peut-être un plus, hein, comme ça ou comme ça. Là, j'hésite. J'hésite. Je vais mettre comme ça parce que j'aime bien. Ouais. Allez. Et du coup, bah, ça, on va mettre l'aileron. Voilà. Donc du coup en argent on n'a pas beaucoup dépensé, donc on va tout améliorer donc au maximum, hein, en gros. À savoir ça coûte très très cher. Sinon c'est pas grave, pour la deuxième voiture on l'améliorera pas à fond. Je comprends pas tout là. C'est pas grave. On achète, on verra bien. Suspension, on est presque arrivé à la fin. S'il y aura assez. Voilà. Donc voilà, voiture assez simple. On va aller la tester. Donc à savoir qu'il y aura une vidéo donc de customisation toutes les 2 semaines. Parce que bah, du temps que déjà je gagne un petit peu d'argent sur The Crew, parce que savoir que je dois acheter les voitures, après je dois prendre de l'argent pour les customiser, donc c'est assez. Il en faut pas mal quoi. Hop, donc voilà. Après bon, pour les courses, je suis pas fan des voitures comme ça. Je dois avouer. Mais j'aime bien, par contre, ils ont une gueule assez sympa. On va regarder un petit peu l'intérieur. Oui. Non, ça va. Ça passe. Hop. Voilà, donc c'est nickel. Donc on va essayer de voir un petit peu la vitesse max. Enfin, à combien elle monte assez facilement, parce que vitesse maximum, j'ai jamais. Je sais pas si j'ai dû pousser des voitures au maximum, mais. Voilà, bon. Ouais. Sinon, oui, elle est pas trop mal quand même à conduire. La conduite, de toute façon, on s'y fait. Bon, sauf par contre les sauts, là, ça a l'air d'être pas terrible.
Ouais, bon, on va dire 250, hein, de toute façon, facilement. Donc voilà. Alors, si on va essayer de faire le défi. Et donc après, on ira pour customiser donc la deuxième voiture. Donc je prends à chaque fois deux voitures assez différentes. Donc là, enfin, je prends pas une voiture du même style. Voilà, donc. Donc, et ben c'est parti, on va retourner où l'on était. On était au préparateur Street. Voyage rapide. Et donc on va aller prendre. Attention, je me suis trompé, ce n'est pas du tout celle-là. D'accord. Non, c'est que je regardais parce que du coup, il y a les deux. Mais... Donc voilà. Donc c'est la Ford Mustang 2015, GT 2015. Voilà. Alors est-ce que j'ai pris la bonne? Parce que à savoir qu'avec le Season Pass, donc vous en avez une gratuite. Mais en fait on peut la racheter, mais c'est pratiquement la même. D'accord, donc c'était même pas celle-là. Donc petit fail. Voilà, c'était celle-là. Donc elle est en blanche, comme ça cette fois. Donc c'est parti, pareil, on va la customiser. Donc elle est assez différente hein, de l'autre. Hein. J'essaie vraiment de prendre quelque chose de différent à chaque fois. Excusez-moi. Donc c'est parti, donc pareil, on commence par l'esthétique et puis on finira par la performance. Donc la couleur, je pense que je vais mettre plus en Audi. Au début, je croyais que c'était ardoise ou un truc comme ça. Non, c'est un anodisé. Ah oui, marron. Ou comme ça fait un petit peu or. Ah oui, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'achète. Voilà, donc après dessus on va mettre. Ah, le truc du Brésil va bien, mais. Mais il est trop petit. On va mettre ça. Non, je déconne. Ça pourrait être sympa, mais moi j'aime pas trop. J'aime pas trop. Pas des flammes, je pense, sur cette voiture. Ça, ce serait sympa, mais d'une autre couleur. Racing. Ça aurait été. Si je mets Racing, de toute façon, ce sera une bande noire. Je pense comme ceci. Ça pourrait être très sympa, je pense. Hein. C'est à voir. À voir, à voir. Ah, celle-là aussi, sympa. Ouais, non, il y a le. Sorte de ruban là au milieu que j'aime beaucoup moins. Alors, je regarde un petit peu parce que je les connais pas tous. Hein. Bon, les deux morts, de toute façon, ce sera plus à la fin. Ce sera du genre un truc comme ça. Ça fait aussi classe. Hein. Qu'à voir, à voir. Sinon, on a ça. Ça aussi, non, c'est les. À chaque fois, ils mettent des rubans, enfin des sortes de rubans au milieu. Et j'aime pas trop. Pareil là. Quoique là, ça pourrait faire beau, mais.
la fin, donc on était là. Rien de spécial. J'aimerais bien une couleur, enfin pas trop de couleur en fait. J'ai une voiture qui fasse assez classe. Sinon, je vais revenir peut-être sur mon choix. Bon, ça, j'aime pas trop parce que ça prendrait toute la voiture, ça pourrait être bien. Et c'est pas le cas, ça non plus. Mais on va pouvoir revenir soit à ça. Ou. Non, parce qu'il y a un 1 en fait sur le côté. En fait, je suis en train de me faire avoir là. Je vais finir par rien mettre. Alors je réfléchis, bah je pense que du coup j'ai pas trop le choix, hein. Et je vais mettre. Alors si je le retrouve, ce serait bien. Voilà, je vais mettre ça. Il coûte assez cher, mais bon, c'est la première voiture que je mets un truc aussi cher en stickers. Bon, vu que ça fait voiture un petit peu plus sport, excusez-moi. J'aurais mis, alors là déjà j'aime pas du tout, je sais pas pourquoi ils ont mis jaune comme ça. C'est la couleur la plus moche, je crois. Alors là j'aurais bien mis les sièges plutôt. Alors soit un truc comme ça, mais ça fait un peu froid. Soit ça, ou rouge, ça fait un peu racing, mais sachant que l'extérieur est de cette couleur-là. Je vais mettre aussi comme ça. Allez. Donc pare-choc avant. Je pense que ouais, 8 différents. Alors attendez, le bas il a changé. Alors je préfère le bas assez. Voilà, comme ça. Faut avouer qu'ils sont tous beaux. Alors, je préfère les premiers déjà. Les deux premiers. Ah oui, c'est les phares, voilà, qui changent. Ça fait trop. Je trouve que ça fait plus classe, voilà, comme ça. Hop. Donc, pare-choc arrière. Ouais, j'aimerais bien garder de cette couleur pour le coup. Ils sont tous assez bas à ce que je vois. Il y a celui-là qui m'a l'air pas trop mal. Après les phares, j'ai pas trop regardé, ils étaient faits comment. Ouais, non, ils sont partout pareils. Hop. J'aurais mis sûrement un truc dans ce genre-là. Mais c'est vrai qu'un en carbone ça peut faire pas trop mal. Hein. Et ça fait peut-être un peu trop gros. Non, c'est à peu près pareil en fait. Hein. Donc on va. Est-ce qu'on met ça ou est-ce qu'on met ça? Ça, je pense que ça fera un peu trop de la même couleur. Et carbone, ça fait un peu plus classe que. Bon, allez. On va mettre ça. Donc, excusez-moi si je mets du temps en fait à choisir. C'est que j'hésite pas mal. Bon, les jantes, de toute façon, on va mettre ça parce qu'elles étaient moches de base. Aileron, donc après, ça va être beaucoup plus vite. Est-ce qu'on laisse un petit aileron ou on met celui-là? On va mettre celui-là, oui. Alors là, pas de capot par contre en carbone, donc on va mettre soit ça, soit ça. Ou non, on va le laisser de base, il est très très bien. Voilà.
Ouais, pour la customisation donc extérieure, donc maintenant on est customisation intérieure, donc comme je vous ai dit, moi je cherche pas trop l'adhérence et tout ça, donc je mets tout à fond. Enfin, je mets pour que la vitesse max et l'accélération soient à fond. On perd de l'accélération, mais. Ça, je vois pas trop. Ce que je vais faire là, je vais y mettre. On va tout y mettre à fond. De toute façon, si c'est pas assez rapide, on changera dans tous les cas. C'est pas très grave. Voilà. Voilà. Donc, du coup, on a dépensé les 300 000 bucks. Oui, c'est ça, la monnaie. Donc, presque tout ce que j'avais. Sur à peu près 350. Sans compter l'achat des voitures hein, qui ont coûté presque 100 000 chacun, je crois. Non, la Dodge que j'ai customisée avant a coûté. Je sais pas si c'est 250 000. Oui, il me semble que ça doit être un truc comme ça. Enfin, bref. La Dodge, je pense pas trop m'en servir, mais la Ford Mustang, là, je pense quand même un peu m'en servir. Vu que j'ai pas mal amélioré là, c'est pas trop mal. On va regarder un peu la vue intérieure. Ouais, vraiment nickel. Voilà, donc on va faire un petit tour avec. De toute façon, sur ce jeu, vraiment, enfin, j'ai pu tester quelques voitures et vraiment elles se conduisent tous bien. Bon, à part quelques-unes pour. Quelques-unes, mais je sais pas vraiment lesquelles que j'ai pu tester. Enfin, je m'en rappelle pas plus que ça. Après, il y en a que j'aime pas trop parce que aussi c'est parce que je les aime pas de base et je trouve qu'elles sont. Enfin, j'aime pas tout simplement. Donc après la conduite, c'est vrai que j'aime pas trop. Après, je sais pas si ça vient de moi ou pas. Hein. Donc voilà. Excusez-moi si je me suis très mal expliqué. Oui, vraiment, elle est pas trop mal. Hein. Voilà. On va faire une petite ligne droite, voir. Voilà, c'est parti. Non, à chaque fois que je fais une ligne droite, il y a un mur. Bon. Donc voilà, donc on va finir ici pour cette troisième vidéo sur The Crew, donc et première. Vidéo donc de la série un petit peu customisation donc prochaine vidéo en fait ça va être dans l'ordre qu'on les débloque donc c'est-à-dire street donc là on est en street la prochaine fois ce sera en dirt après en perf en raid et en circuit voilà on va se poser on va se poser on va se poser où. Non, on ne peut pas. Mince. Tant pis. On va se mettre ici, voilà. Tranquille. Pas sur les voies, ce serait un peu con. Voilà. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc les autres vidéos vont venir. Les vidéos aussi sur Minecraft, parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait, vont venir. Parce que j'ai l'envie encore de faire des mini timelapse hein, comme je faisais. C'est un peu le seul type de vidéo que j'ai envie de faire sur Minecraft pour le moment. Donc voilà. Sur The Crew, il y aura peut-être des vidéos sur des courses en ligne, etc. Il y aura peut-être aussi du Battlefield à venir sur la chaîne. Donc ça, c'est à voir, ça dépend. Si j'ai pas d'idée, par exemple, de vidéo, et ben je ferai du Battlefield. Et puis bah voilà, hein, si j'ai pas envie d'en faire, j'en ferai pas. Je verrai. Donc Battlefield 3 et 4. Et peut-être du Hardline quand il sortira. Bon, je crois que c'est en mars. En mai. Enfin, non. Début 2015, quoi.
Donc voilà, donc en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Excusez-moi pour le gling 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 qui est super chiant. C'est tout simplement parce que le train vient de passer, je pense que vous l'avez compris. C'est pas grave. Et d'ailleurs, je viens de remarquer hein, qu'on avait une musique super super chiante derrière. Musique que je déteste. Bref, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. À savoir que, oui, à la fin des vidéos The Crew, donc à chaque fois je laisse un petit peu une petite cinématique comme ça parce que je ne sais pas vraiment quoi faire. Et des fois je laisse la musique qu'il y a de base, mais quand il y a des musiques comme ça, bien sûr je les change parce que sinon c'est pas. Je peux pas. Et il y a un train qui passe toutes les 2 secondes. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, de pourquoi pas aimer, et non, enfin, même surtout commenter. Voilà. Et puis voilà, bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pour une vidéo Minecraft sûrement, donc la semaine prochaine. Et sinon, bah, la semaine encore d'après, il y aura une vidéo sur The Crew. Donc voilà, dans 2 semaines, une vidéo sur The Crew. Dans 1 semaine, une vidéo sur Minecraft. Enfin bref, voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de commenter et d'aimer. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et salut tout le monde!